sur un avant de Palis. Avantage pour un avant. Attention, le drop peut-être de James. Oui, la première tentative de ce match, le drop de Brock James qui prend la direction des poteaux, qui va passer 3-0 d'entrée après seulement 45 secondes. 3-0 pour Clermont, drop réussi par Brock James. Le lancement de jeu là pour les Castrés avec face à Lélé. Et il y aura une pénalité en faveur de Castres. 9 blancs. D'accord. Rory Cocotte pour tenter cette première pénalité. S'il perd à Clermont, il pourrait se retrouver 8e à l'issue de cette journée. Ça va rentrer. La pénalité réussie par Rory Cocotte, ça fait donc 3 partout. Pierre qui a relevé ce ballon. Il n'y a pas de couverture dans l'axe hein, en second rideau côté Castres. Vous voyez la situation défensive. Peut-être un jeu au pied parce qu'on est très à plat côté Clermontois pour attaquer. Un petit coup de pied par-dessus. Et oui, le voilà. Le ballon qui va finir dans les bras de Rémi Brosseau qui commande à l'avant. Mais Monsieur Garcès va revenir à une pénalité en faveur de Clermont. Mais ce genre de match, c'est avant tout essayer de ne pas commettre d'erreur. C'est assez rare à ce niveau de la compétition. Morgan Parra, ça passe. 6-3. Les Castrés à 2 mètres de la ligne en but des Clermontois. On va partir au ras dans un deuxième temps avec la Mora qui a été repoussée. Mais Castres toujours avec le ballon. L'avantage est terminé avec Garlet. Garlet stoppé à 1 mètre de la ligne. Ballon toujours castré avec le plongeon et l'essai. Et c'est pour Castres le premier essai de ce match. La transformation que va tenter Rory Cocotte. Ça va passer à côté, mais en tout cas c'est Castres qui a repris les commandes dans ce match. Nanaga maintenant comme un avant supplémentaire. Di Paolo qui part au ras. On s'approche à une en but des Castres. Avec une grosse épreuve de force, hein, il est Clermontois qui progresse sur les points d'impact. Parra qui va sortir ce ballon. Voilà qui est fait pour James. Il y a la possibilité de l'essai. Bien joué. La superbe passe pour Wesley Fofana qui va marquer le premier essai des Clermontois dans ce match et qui permet surtout à Clermont de reprendre l'avantage. Allez, non, en place. Allez, gros. La transformation est réussie. Le pied de Parra en pression. Brosseau, la réception de ce ballon qui a pu donner, c'est bien fait à Thalès. Il y a peut-être des possibilités. Lamora avec Cabane pour Garvey. Garvey le crochet, il va pas pouvoir éviter Nalaga. On va faire appel à la vidéo après. Ça ressort pour les Castres. Ouais, le plaquage. Ouais, plaquage limite de Nalaga sur Marcel Garvey. Il y aura un retour à la vidéo. Et une pénalité pour Castres. La tentative de Rory Cocotte, ce ballon qui a failli s'échapper mais qui passe quand même, 3 points de plus pour Castres qui revient. Le ballon est pour les Auvergnats. Un nouvel avantage. Hein. James, le jeu au pied, la chandelle dans les 22 mètres, c'est toujours compliqué, ça a géré, mais belle prise de balle de Geoffrey Palis. On va revenir à la pénalité effectivement en faveur des Clermontois. La pénalité qui va passer, Clermont qui reprend 5 points d'avance. Comme Opo est un petit peu en travers et les Clermontois qui prennent le dessus. On cherche sur cette mêlée. Et l'obtenir. Le bras tendu de Monsieur Garcès. Ça sort avec Morgan Parra qui a vu la brèche, qui rentre dans les 22 mètres. Parra qui peut glisser ce ballon, superbe. Pour Nalaga. Et le deuxième essai de Clermont. Il prend le bénéfice du ballon à Clermont. Et derrière l'essai. La transformation est réussie par Morgan Parra. Vous en voulez de la lutte dans les rucks? C'est terminé. Ballon est enterré. Et Monsieur Garcès qui siffle la fin de cette rencontre sur la 76e victoire d'affilée de Clermont à domicile. La 60e victoire d'affilée en top 14 à domicile pour les Clermontois face à Castres, 23-11.